Salut à tous, c'est Kevin Cadeau. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve donc comme promis dans la dernière vidéo, le coffret Salarsen V qui est disponible actuellement dans plusieurs magasins comme Pickwick Toys ou encore Carrefour. Après, je ne sais pas dans d'autres magasins si je les ai vus ou non, mais je sais que déjà que celui-là, il fait partie, je l'ai acheté moi personnellement chez Pickwick Toys avec la Pokébox. Mais avant cela, donc comme promis dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais faire un concours à nouveau pour les 800 abonnés, donc encore merci pour les 800 abonnés. Donc c'est très simple, comme d'habitude, il suffit juste de liker la vidéo, commenter avec je participe à l'intérieur parce qu'il y a des personnes dans la dernière vidéo qui n'avaient pas justement mentionné le fait qu'ils souhaitaient participer au concours, donc ça je n'ai pas pris en compte la participation. Dernièrement, donc être abonné à la chaîne et liker la vidéo, ça, je pense que je l'ai dit. Donc voilà, je vous présente un petit peu le lot que vous allez pouvoir remporter. Donc en fait, c'est un lot tout simple, donc il y aura trois gagnants. Il s'agira en fait d'un lot de 3 sleeves, donc de sleeves, enfin, un lot de sleeves pour 3 personnes. Donc il y aura les sleeves de l'Elite Trainer Box de Harmonie des Esprits. Ensuite, nous avons Alliance Infaillible, vous avez Éclipse Cosmique et les deux dernières, du coup, Épée et Bouclier. Voilà. Donc c'est un petit lot comme ça, c'est vraiment, c'est pas un énorme concours comme par exemple celui de Noël. Mais c'est juste un petit concours comme ça, voilà, histoire de marquer le coup, on va dire. C'est des très belles sleeves, en plus, il y en a pas mal qui me demandent à chaque fois s'ils peuvent envoyer, enfin, si je peux envoyer des sleeves, sauf que bon, je les garde personnellement pour moi. Là, je vous en offre 3 pour 3 personnes. Vous aurez donc toutes les 5, vous aurez les 5 sleeves, donc une par personne. Et donc, il y aura 3 gagnants. Voilà. Donc, trêve de bavardage. Maintenant, on va s'occuper du coffret. Je vais le déballer hors vidéo parce que ça va prendre du temps et on se retrouve tout de suite. Alors, tac. Donc, du coup, on se retrouve pour le déballage. Alors, ça, c'est très bien parce que sur les coffrets, maintenant, ils ont compris qu'il fallait juste mettre un morceau de plastique pour tenir parce qu'il y a des collectionneurs. Voilà, c'est bien. Ça va aller sympa. J'aime beaucoup le Salarsen. Je vais mettre une petite sleeve pour la protéger. Hop. C'est une jolie carte promo. Donc Salarsen V, à part on dirait un petit peu qu'il a un petit peu drogué, ou je sais pas, mais bref. Donc là, c'est la SW, enfin Sword and Shield 017. Donc on avance quand même. Et la format en carte jumbo. Donc pareil, Sword and Shield 017. Ok. Donc ça, on va le mettre de côté. Donc je suis très content, par contre, j'ai pris un coffret avec mes illustrations préférées, en tout cas pour Soleil et Lune. Pour Épée et Bouclier, pardon. Soleil et Lune, je suis content aussi parce que j'aime beaucoup cette illustration et celle-ci, bon, c'est pas ma préférée, mais ça passe. On va faire comme ça, du plus récent au plus ancien. Du plus ancien au plus récent plutôt. C'est plus logique. Hop! Donc on va commencer par Soleil et Lune de base. Alors je vais juste faire un petit zoom, voilà, comme d'habitude. Hop. Sinon j'espère que vous allez bien. J'espère que la dernière vidéo vous a plu également. Si celle-ci vous plaît, en tout cas, n'hésitez pas surtout à mettre le pouce bleu pour également participer au concours. Et comme je suis de bonne humeur, je vous offre le code online. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors dans cette série, il me manque pas mal d'ultra. Après, je pense pas qu'il me reste beaucoup de communes, peu communes, pas mal de rares et quelques holos aussi. Donc on a Evoli, Krabagar, Vorastéri, Topikeur d'Alola, Arakua, énergie de type eau, Candine, Tétarte, Otarlette. En reverse, nous avons Chelours. Et derrière, oh, on commence fort avec Solgaleo GX. Super, je ne l'avais pas, donc ça me fait super plaisir. Celle-ci, ou quoi que je l'avais. Il me semble que c'est celui-là qui me manquait. J'avais Lunala, mais j'avais pas Solgaleo. Il me semble que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je sais pas si je dis des conneries. Mais en tout cas, bah écoutez, première carte, bonne pioche. Je suis content. En plus, on a une rare river, c'est super sympa. Hop. Donc ça, on va le mettre de côté. J'aime bien les coffrets comme ça, qui commencent comme ça, qui sont vraiment chanceux, parce qu'il y a des fois où j'ai pas du tout de chance. La dernière ouverture, je ne l'ai pas vu venir. N'hésitez pas à aller voir la Pokébox L'Arméléon. Celle-ci, je n'ai pas vu venir du tout cette ouverture. En tout cas, j'étais très content.
Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc dans cette série Éclipse Cosmique, il y a énormément d'ultra, surtout qui peuvent remplacer la Reverse. Donc j'aimerais bien tomber sur les celles avec les dresseurs. Nous avons Rocabo, nous oursons, Brindibou. Ah, celle-là j'adore. Elle est super belle. Brocélome, Magnéti. Nous avons une énergie obscure. Oh cool, je l'avais pas encore celle-ci. Red and Blue. Ok. Écaïde. Derrière nous avons Motisma. On a Fionn en reverse. En rare reverse. En plus, on a de la chance sur les reverse. Et derrière, une petite holo peut-être. Non, Golemastock. Ok. Celle-là, elle est super belle. Je sais pas si c'est une holo reverse ou une simple reverse. Mais super belle. Alors, on reprend du coup sur épée et bouclier avec l'illustration de Loclas. Avant, j'aimais pas du tout Zamazenta, mais depuis que j'ai, en fait, j'ai pris Zamazenta, j'ai pris la version bouclier, j'ai pris le double pack avec les deux jeux, et j'ai commencé avec bouclier parce que je voulais le Ponyta de Galar, forcément. Mais je préfère maintenant Zamazenta par rapport à Zacian. C'est complètement. Oh putain, il y a un truc. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, c'est pas possible. Si je tombe encore sur une rainbow, je vais faire un malaise. Mais il y a une ultra, je l'ai senti. Il y a une ultra et c'est pas une V. Soit c'est une V max, soit c'est une full art, soit c'est une secrète. Mais ah, baissez le son du téléphone ou de votre ordinateur parce que je sens que je vais gueuler. Donc statistique, Dunaja, Larvadar, nous avons Poissirène, Voltoutouf, énergie de type O, Sbire de la team Yel, je ne l'avais pas, je vais rapprocher par contre ici ma petite lampe, voilà. Alors nous avons Kikli, j'allais dire en reverse, mais qu'est-ce que c'est que cette carte C'est qui Tomokazu, oh là là, il a un petit peu bu beaucoup lui. Doudou V et derrière, alors attends, oh putain. Oh la putain. Elle est magnifique. Alors, j'ai vu du gold. Je me suis dit, oh trop bien, c'est peut-être Zamazenta ou alors Zacian. Bon, après, c'est une dresseur. Je suis pas fan des dresseurs, mais elle est vraiment très très belle. C'est à 213 sur 202. Vraiment, les golds, par contre, ils ont fait un changement, mais radical. Waouh! Le coût de retraite du Pokémon auquel cette carte est attachée est diminué de 2 étoiles. Ok. Bon. Bah, d'accord. Je vais mettre ma petite sleeve. Je sais pas du tout en plus si cette carte est assez recherchée ou quoi. Mais elle est vraiment super belle. Hop. Bon bah écoutez, je pense que c'est un coffret plutôt sympathique. Hein. je suis super content. Bon là le coffret est bien rentabilisé. Là il n'y a pas photo. J'ai mon coffret, il est rentabilisé, ça c'est sûr et certain. Après maintenant. Si jamais j'avais pu avoir une autre ultra, j'aurais préféré une autre ultra plutôt qu'une gold, dresseur. Voilà, j'aurais préféré un Pokémon ou alors vraiment un vrai dresseur, parce que là un ballon, merci quoi. Frissonille, Wistempo, j'adore cette carte, elle est super belle. Coquillas, Misdibule, Ponyta de Galar, une énergie de type feu, Moumouflon, Quillfish, oh elle est trop mignonne, Poké-enfant, Dunaja en reverse, et derrière nous avons, peut-être une holo, non, une Roserade, j'allais dire une Roserade, mais non, Roserade, elle est super belle. J'ai un doute si je l'ai celle-ci, faudrait que je regarde. Enfin bref, alors, bon écoutez, récap assez rapide mais assez assez conséquent hein. On a eu deux ultras du coup dans cette ouverture
Donc on aurait eu le Solgaleo GX et Ballon en dresseur en gold. Super content. Vraiment très très content, très satisfait. Et bien sûr, du coup, la carte promotionnelle Salarsen V. Voilà. Donc n'hésitez pas du coup à participer au concours. N'oublie pas surtout le petit pouce bleu, les commentaires et vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve très certainement, je ne sais pas encore, peut-être la semaine d'après pour la troisième Pokébox. Je vais essayer de voir pour pouvoir me la procurer. Sinon, ce sera peut-être un Pokémag, je ne sais pas encore. Là, j'ai pas fait d'achat actuellement Pokémon. Je verrai. Franchement, je verrai. Mais je pense que ce sera plutôt la troisième Pokébox. Comme ça, on aura fait les trois Pokébox et j'ai envie d'avoir les trois dans ma collection. Voilà, donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!